Nouveau chacal, pour plus de vidéos délirantes sur Call of Duty ou encore dans la vie IRL, abonne-toi à la chaîne de Napoléon Wiki le Marabout et active les notifications pour ne rater plus aucune vidéo. Yes I. Ouais chacal, c'est Napoléon Wiki le Marabout, j'espère que tu vas bien ma petite gueule. Aujourd'hui on se retrouve. Oh, pourquoi je fais ça, bordel de merde? Je vais me faire frapper, c'est pas possible. Je vais annoncer à ma grande sœur qui s'appelle Khadija. Je pense que vous la connaissez tous déjà maintenant. Je pense qu'elle a fait le buzz à elle toute seule, frère. Voilà. Donc je vais annoncer tout simplement à ma grande sœur qui s'appelle Khadija que j'ai voté pour Donald Trump. Vous voulez tous savoir si c'est vrai? Vous voulez tous savoir si j'ai réellement voté pour Donald Trump? Eh bah, je suis obligé de vous dire ça tout de suite. En vidéo, je vais devoir vous répondre dans la seconde qui suit. Dans le centième de seconde qui suit, vous allez avoir la réponse. Vous allez avoir la réponse. Mais tout d'abord, avec cette réponse, je vous demande d'être indulgent. La réponse qui va suivre dans deux secondes, je vais peut-être vous donner cette réponse dans le centième de seconde qui arrive, c'est celle-ci. Bref, on va appeler ma sœur et on va lui expliquer ça. Je sens que je vais me faire gifler. Khadija! Ça ou quoi? Les gens pour des moutons? Non, mais trop pas, mais tu sais très bien comment j'aime t'appeler moi, j'aime te faire chier vite fait. Ça va ou quoi? Tu vas bien? Ouais, ça va. Bon, viens 30 secondes, j'ai un truc super important à dire. J'ai un truc important à te dire, Khadija, c'est très important. Je t'assure, en fait, je dois sortir. Oui, mais c'est même pas 5 minutes. On m'a invité là. Oui, mais c'est même pas 5 minutes, toi aussi, viens. Mais c'est quoi? Viens. Qu'est-ce que tu aurais d'important à me dire? Khadija, c'est super important en plus. Khadija, en tant que ton petit frère, vraiment là. J'ai une question. Là, j'ai besoin de toi. Pourquoi tes projecteurs sont allumés? Mais mes projecteurs, ils sont allumés parce que, frère, je faisais des vidéos. Voilà. J'ai oublié de les éteindre, quoi. Et puis, ça me fait la lampe atmosphérique, quoi. Tu m'as compris? Bon, on parlera plus tard, parce que... Khadija, viens, 30 secondes, s'il te plaît. Khadija, s'il te plaît, ferme 30 secondes. Je vais être en retard. 30 secondes, voilà, et t'as là, et 30 secondes, toi aussi. C'est même pas 5 minutes. Tu me connais? Vite fait. Ouais, en deux spi, voilà. Assieds-toi, viens. Tout est... Oui, d'accord, ok. Vite, c'est quoi? Tu te rappelles que... Enfin, tu te rappelles, je sais pas si t'as regardé ma vidéo déjà une heure et demie. C'est vrai que t'es pas une abonnée très très fidèle, toi. Eh bah, excuse-moi, hein. Bon, bref. C'est pas toujours très intéressant. Qu'est-ce qu'il y a là? Je vois des pages. Ouais, il y a Twitter, il y a YouTube. Ah ouais, et YouTube. C'est super ce que tu regardes sur Twitter, toi. Hein. Ça, c'est pas Twitter, c'est YouTube. Vos transformations physiques choquantes. Oui, mais c'est Thibaut InShape. Avec des filles. Oh, toi aussi, ouais. Oh là 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 là, voilà, c'est bon, ça commence. Bref, Khadija, j'ai un truc très important à te dire. Ok. Très important. Et t'inquiète pas, Thibaut InShape, je vais m'occuper de lui. Le temps, là, oui. J'ai un truc à te dire, c'est très important. Je sais pas si t'as vu, enfin, non, tu m'as dit que t'avais pas vu. Il y a 1h30, j'ai sorti une vidéo. Et tu sais, il y a beaucoup de personnes qui se sont retournées contre moi quand j'ai ressorti cette vidéo, je te promets. Il y a beaucoup de personnes qui se sont retournées contre moi. En fait, tu crois que je te prends là? Des fausses larmes de crocodile. Mais voilà, et t'as là et je suis triste. Non, Khadija, bon, laisse-moi t'expliquer pourquoi en fait. Tu vois. Non, mais je sens que tu te fous. Non, mais trop pas, mais trop pas. Mais pourquoi je vais faire ça? Pourquoi je vais faire ça, Khadija? Est-ce que je me suis déjà foutu? Bon, peut-être une. Bon, écoute, là, je suis sérieux. Je me fous pas de ta gueule. Voilà. Laisse-moi t'expliquer. Hein, c'est sûr. Ouais, laisse-moi t'expliquer, Khadija. Ok, dépêche-toi. Il y a une heure et demie. M'intéresse. Oui, mais laisse-moi finir. Il y a une heure et demie. J'ai sorti une vidéo et cette vidéo, j'ai eu beaucoup de haine qui a été déclenchée par cette vidéo. J'ai rien dit de mal. Hein. Et pourquoi? Je n'ai fait qu'exprimer, comment t'expliquer, mes décisions personnelles de ma vie. Et... Tes décisions personnelles de ta vie? J'aimerais bien savoir ce que c'est de toi. Bien dit. Non mais c'est vrai que j'ai pas beaucoup de décisions de ta personnelles. Vie. Non mais... Dis donc. Mais j'ai une vie, oui. Comment ça? Parlons-en. Bon, c'est bon. Ouais, mais moi, ça me fait pas. T'es pas là pour me clasher. Tu m'as dit que t'allais me dire un truc. Oui, mais voilà, mais c'est super. Fait, moi, je dois partir. Oui, d'accord, mais toi aussi. T'es là en train de prendre du temps, oui. Mais c'est parce que je veux t'expliquer les choses clairement, tranquillement. C'est pas quelque chose qui se dit comme ça. Tu comprends? C'est quelque chose, faut d'abord faire. J'ai l'impression que tu vas m'annoncer, je sais pas, un truc de ouf. Bon, j'ai un peu peur de ta réaction, sincèrement. Et en plus, là, le pire, c'est que je filme pas. Tant que t'as pas cassé mon iPhone. Non, mais en fait, c'est ce que je me disais, c'est ce que je me suis dit là dans cette vidéo. Parce que je me suis dire que tu peux me faire encore, c'est. Voilà. Non, tu peux pas interrompre le chacal principal quand il parle, par contre, s'il te plaît. Non,
Non, mais le chacal principal. Je suis le chacal principal. Et pourquoi tu parles de chacal principal là tout de suite là? Mais parce que même dans ma vie, je suis le chacal principal. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai besoin d'être dans une vidéo pour dire que je suis le chacal principal. Je suis le chacal principal. Le premier du nom. Il faudrait que je vérifie sur. Écoute-moi bien, Radja, ne vérifie rien. Tu n'as pas besoin de vérifier. Laisse-moi parler. Radja, pourquoi tu parles? Pourquoi tu parles trop comme parce ça? Parce que je suis venu t'expliquer un bail. Ok. Kalana. Là, je t'écoute et après tu me dis ton truc, moi je parle, s'il te plaît. Oui, voilà. Donc. J'ai. Oh mon dieu. Si j'étais américain, j'aurais voté pour Donald Trump. J'aurais voté pour. Oui, non, non, Khadija, non, Khadija, attends, commence pas à frapper toi aussi. T'as dit quoi? C'est bon, c'est non, bon. Attends, c'est bon, attends, non, attends, 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 attends. T'as dit quoi? Attends, attends. Je vois que t'as un briquet là, t'as dit quoi? Non, Khadija. T'as dit quoi? J'ai. Khadija, écoute-moi. T'as dit que si tu es. Non, attends, j'ai bien compris ta phrase. Si tu étais américain, tu aurais voté pour Trump. C'est une bêtise, c'est une blague. Attends. C'est une blague. Attends. Je attends. Préfère pas d'abord que c'est une blague. Attends, attends. Si tu me dis que c'est une blague, ça peut aller. Attends, mais laisse-moi mais parler. Si c'est pas une blague, laisse-moi parler. Attends. Là, en plus, je dois partir. J'ai pas vraiment le temps de te tabasser. Mais pourquoi? Mais t'inquiète pas. Pourquoi j'ai pas besoin? Pourquoi non, je dois? Pourquoi non, je peux pas avoir mon opinion? Ton opinion. Mais c'est quoi tes fondements? Le gars, il est raciste, misogyne. Il veut créer un mur pour les Mexicains. Son discours n'a pas de sens. Non, il a juste dit. Non, 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 le mur, il a juste dit c'était pour les Mexicains, mais les Mexicains, il les laisse passer. Ok. Oh, on arrête de rigoler. On arrête de. Là, on va parler sérieusement. Oh putain de merde. On va parler sérieusement. Non, du coup, là, Écoute-moi. J'ai quand même le droit d'avoir des opinions. Pour Donald Trump. J'ai le droit d'avoir des opinions politiques. Un mec comme lui. J'ai le droit d'avoir des. Un gars qui a fait quoi? De la finance, du business, du machin, qui se retrouve à la tête d'un pays et qui va sûrement donner une catastrophe, un cataclysme dans ce monde. Mais pas du tout, pas du tout. Tu as vu sa coupe de cheveux? Déjà de 1, moi je la kiffe. Non mais attends, ok d'accord. Non, c'est bon, c'est bon. C'est bon, non mais j'arrête de trop. Je comprends que toi t'es un imbécile. Non mais Khadija. Je pensais pas que j'avais un frère qui était un vrai con. Mais tu sais très bien. Mais en fait si. Khadija, bon, attends. Non, tu peux pas partir tout de suite. Ton c'est pas possible. Attends deux secondes. Au moment où tu me parles de Trump, ton discours ne m'intéresse pas. Mais Khadija, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Non, t'es ma grande sœur. Moi, je te soutiens pas, moi. Mais même si tu me soutiens pas, tu dois au moins m'écouter. Non, je t'écoute pas. Même si tu penses que j'ai tort. Attends. En plus, tu me dis un truc super important. Mais c'est important pour moi. Parce que ça. Parce que ça, c'est un truc que tu devrais cacher, que tu devrais même pas dire aux gens. Mais pourquoi? Mais c'est mon idée personnelle. J'ai le droit de voter pour qui je veux. Descends dans la ville là, va dire moi je suis pour Trump, tu vas voir. Tu vas au moins trouver 4 gars ou 5 gars qui vont vouloir te tabasser. Écoute-moi bien. Toi, je suis protégé. Tu es protégé. Par qui? Mais par tonton Moussa au bled, tu crois quoi? Bah oui, tonton bled. Bon, maintenant, laisse-moi terminer un truc, laisse-moi s'il te plaît. Parce que c'est vrai que tu parles quand même beaucoup, hein, faut dire la vérité. C'est un truc de ouf, à quel point tu parles vite. Et on dirait que c'est de l'eau qui sort de ta bouche. Tais-toi deux secondes. Merci. Ne me frappe pas. D'accord. Ne me frappe pas. J'ai pas dit que j'allais te frapper. Hein. Voilà, non, mais parce que. Quand j'ai frappé. Tu sauras pas. Goddamn. Ok, bon. Mais tu rigoles bêtement, moi je comprends même pas pourquoi. Ça me fait pas rire ce que tu viens de me dire. Ouais, mais Khadija, mais moi j'aimerais juste savoir. C'est quand même l'élection aux États-Unis. Une élection présidentielle, t'as le droit de voter pour l'un ou l'autre, on est d'accord. Ou bien je suis. Voter pour ce gars-là, c'est. Mais moi je trouve que dans son programme de développement. Surtout toi qui es noir. Non, mais attends, franchement, un noir qui vote pour Trump, non, mais ça c'est. Je sais pas. Mais vous avez quoi à me dire tout ça? C'est grave, c'est même à la limite grave. Qu'est-ce que tu trouves dans son programme intéressant? Qu'est-ce qu'il a proposé pour les Noirs? Mais il a un programme économique très intéressant. Il va créer de l'emploi. Ah, il va développer des infrastructures. Voilà, créer de l'emploi, tout ça. C'est ça dont on a besoin. Tu comprends? Oui, c'est ça. Moi, de toute manière, je te le dis. Je crois que les gens qui sont pauvres aux États-Unis, dans les régions arriérées, reculées, ils ont besoin de ça. Ils ont besoin de boulot, oui. Ils ont besoin de bosser. Mais est-ce que tu es sûr que la manière dont tu vas créer de l'emploi dans le pays, ça fera vraiment avancer ces personnes-là? Ou ça fera avancer les gens qui ont déjà l'opportunité de pouvoir travailler et qui auront peut-être les moyens de développer leur carrière? Non, mais là, tu pars trop loin. C'est trop dur pour moi. Toi aussi, tu sais très bien que je suis limité. Fais doucement. Oui, bah moi j'ai étudié l'économie, sociologie, économie. Ah mais voilà, c'est ça ton problème en fait. C'est ça ton problème. Pourquoi tu fais la meuf? Tu fais la star. Je t'ai convié dans ma chambre, tu es dans la chambre du sac à principal, t'es là, tu fais la star. Mais je fais pas la star. Bon, attends deux secondes, écoute. Bon, maintenant. C'est que toi tu comprends rien au système d'un pays.
Voilà. Les États-Unis, mais qui tu sais te pas dit ce que c'est en soi. Tu connais pas leur système électoral, tu connais pas le système du gouvernement. Si, c'est pas compté. La manière de fonctionner. C'est pas. Si, c'est pas compté. Non, tu es au courant qu'il y a 53 États aux États-Unis? Mais oui, c'est des États fédéraux. Est-ce que tu peux. Bon, arrête de rigoler, arrête de rigoler, c'est bon, t'es dans ma chambre. Voilà, ils sont pas fédéraux. Oui, État fédéré, c'est la même chose. Mais pourquoi tu rigoles dans ma chambre en fait? En fait, c'est le contre. Bon, laisse-moi terminer. C'est le contre-choc de ta nouvelle. Mais laisse-moi terminer. Cite-moi un État américain. L'Ohio. Un deuxième? La Floride. Tu sais quoi? Moi je sais très bien que tout ça c'est une blague, je te connais. Enfin, tu peux pas voter. C'est pour ça que je suis restée relativement calme. Il y a 2-3 bugs tout à l'heure parce que. Non, je t'explique, j'ai cru que ça pouvait être vrai. Mais je suppose que non. Enfin, je connais tes idées, t'es mon frère. C'est vrai. Je me demande bien, mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Pourquoi t'es aussi con, gars? Pourquoi t'es aussi con? Mais alors pourquoi tu veux que tout le monde se retourne contre toi? Hein? Tu veux déclencher quoi là? Des guerres? Mais... Ça t'amuse? Mais comment ça? Reviens sur Terre. Reviens sur Terre, ça veut dire quoi? Reviens sur Terre. Tu vois, tu sais, je t'adore, t'es mon frère et tout, mais... Avec des idées comme ça, c'est normal que j'ai envie de te défoncer la gueule après. Oh putain de merde! Mais c'est vrai! Des fois, tu dis des choses qui n'ont pas de sens. Tu sais, je t'aime beaucoup. Tu dis des choses qui n'ont pas de sens. Mais oui, mais bon, ça arrive. Bon, c'est pas la peine que tu me vois comme une psychopathe, hein. Alors, j'en suis pas une. Oui, ok. Non, j'en suis pas une. Ok. Je fais des réactions à ce que tu fais. Et si les gens savaient ce que tu fais vraiment, franchement, ils se rangeraient de mon côté. Savoir que j'ai quand même un frère qui a la limite de la folie. C'est pas ma faute. Mais toi, tu aimes que les gens réagissent, voilà, qu'ils pètent des plombs sur leur chaise. Ah, c'est pour ça que trop tu fais pas, ça. Trop pour pas. Ça que tu fais ça. Voilà, mais je sais que c'est pas vrai, t'y crois pas. Parce que si jamais j'avais su, ou si je me doutais que c'était vrai. Oui, ok. Voilà, je sais. Bref, tout ça pour te dire juste une chose. Moi, j'assume ce que j'ai fait. Je l'assumerai toujours. Et je suis même d'ailleurs content que tu ne me crois pas. Parce que ça, je vais me ramasser moins de baffes. C'est parfait. Merci. Je te crois pas parce que, enfin, t'es noir, t'es fier d'être noir, tu sais que t'es noir. Oui. Tu sais que tu seras jamais autre chose que noir. Et tu sais que tu resteras noir toute ta vie et que je peux faire une disquette à la Michael Jackson. Non? Je comprends pas là. Désolée de te dire, j'ai rien capté, mais c'est bien d'essayer d'énerver les gens, de les mettre hors d'eux. C'est une passion chez toi. Mais c'est pas vrai! Mais je te conseille un truc. Évite de jouer à ça avec moi, parce que tu sais que les choses ont déjà mal tourné par le passé. Donc si elles avaient est-ce que c'est une à menace mal tourné, est-ce que c'est une menace, ce serait vraiment dur pour toi. Bon, mais... Ce serait dur. Et je m'assurerai hein, que sur ta petite chaîne, ça soit publié. Oh putain! Mais tu me menaces! Fais gaffe! La prochaine fois, tu sais ce que je prévois de faire si tu m'annonces encore un truc de ce genre? Blague ou pas blague? Ok. Tu brûles. Tu me brûles? Tu me brûles? Oh, écoute, tu m'as trop fait souffrir! Mais t'es. Franchement, tu m'as trop mais fait Khadja, souffrir! Non, mais tu sais que. Non, mais Khadja. Tu m'as trop fait souffrir! Bon, là, on arrive quand même à un point où je t'énerve tellement que tu comptes me brûler, wesh! Bon, tu sais quoi? Tu sais, je t'aime beaucoup. Enfin bon. Fais gaffe à ce que tu fais parce que ça pourrait faire en sorte un jour que j'ai à nouveau envie de te claquer les gueules. Bon allez, j'y vais, je me casse. Mais attends. Ah, on n'a pas fini le sujet. Mais Khadija, arrête. Non, attends. Je suis désolé. Ouais. Oui, mais deux minutes. Oh putain. Merci Khadija pour ta participation. Bref, chacal, j'espère que tu auras kiffé la vidéo. Bien sûr, j'espère que vous aurez compris que c'était un troll maintenant. Enfin, que ceux qui comprennent, comprennent. Que ceux qui comprennent pas, ne comprennent pas. C'est pas mon problème, je m'en fous. J'espère que vous aurez vraiment kiffé, que vous aurez rigolé sur la vidéo. C'était vraiment le but. Moi, je me prends des grosses gifles, sa mère énervée. C'est pour que vous rigoliez, pour que voilà, pour que vous ayez un petit moment détente, tu vois, en étant sur ma chaîne. Pour les nouveaux visionneurs de cette vidéo, ça me ferait extrêmement plaisir si vous pouviez vous abonner, vous faire chacaliser en commentaire. Demandez la chacalisation en commentaire. Ne vous inquiétez pas, même si vous savez pas ce que c'est, demandez juste la chacalisation en commentaire. Là, si je parle doucement, c'est parce que ma soeur, à tout moment, elle peut revenir dans ma chambre. Je vous dis ciao et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Yes, aïe.